infiniment d'être venu si nombreux partager ce moment absolument extraordinaire que nous avons. Puisque Madame la Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, Madame Michaël Jean, a accepté notre invitation pour venir partager un moment de francophonie avec nous. Chère Secrétaire, Madame la Secrétaire Générale de l'OIF, chère Michaël Jean, soyez la bienvenue à vous. Merci infiniment, merci d'accueillir. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous savons que pendant une semaine vous êtes particulièrement sollicité. Vous avez quand même trouvé, pris le temps de venir partager une heure avec nous. Pour nous parler de notre francophonie, cette francophonie riche de 85 États, je crois. 84. C'est les 5 continents. État sur les 5 continents, ce qui fait de la francophonie au fond un 6e continent. On peut l'appeler un bel espace. Et vous avez accepté aussi de répondre aux questions telles que nous les posons dans le monde académique que vous connaissez bien, puisque je le rappelle, vous avez été chancelière de la plus grande université bilingue au monde, qui est l'université d'Ottawa. La raison pour laquelle vous avez accepté notre invitation, on a trouvé votre emploi du temps extrêmement bousculé cette semaine tout particulièrement, c'est que vous le savez, vous êtes ici chez vous, en francophonie. D'abord parce que c'est chez l'université et que vous êtes familière du monde académique, et deuxièmement parce que l'Université de Columbia se targue d'avoir accordé une place très importante à la langue française et aux études francophones. Mais quand je dis que vous êtes ici chez vous en francophonie, je ne pense pas seulement à notre université ou à des universités de même nature où le français est enseigné et où le français, ma foi, tient bien son rang, immédiatement après l'espagnol, je crois. Je parle aussi de New York, je parle également des États-Unis en général, et je parle de ce lieu où nous sommes, Morningside Heights, comme nous l'appelons, mais c'est aussi à l'air. Harlem est un jet de pierre d'ici, et la raison pour laquelle je mentionne Harlem, c'est parce que c'est un lieu francophone. Une communauté francophone vibrante vit là. Quand vous traversez le parc, vous vous retrouvez dans un coin d'Harlem qui est appelé Little Sénégal. Pour la raison suivante, c'est qu'une communauté sénégalaise importante y vit, des communautés ouest-africaines y vivent, et elles retrouvent tout naturellement le francophonie, puisque c'est la langue que ces communautés ont en partage. C'est la raison pour laquelle vous me permettrez, Madame la Secrétaire Générale, de vous féliciter de la présence importante d'une délégation sénégalaise venue marquer précisément cette présence francophone. J'ai mon ami Salim Ka, qui est au consulat général du Sénégal, le seul consulat général qui s'est installé précisément à Harlem, à Little Sénégal. J'ai également ici une délégation de l'Association sénégalaise des Sénégalais d'Amérique, dirigée par son président, Cheikh Ibrahim Sow, que je remercie d'être présent. Je vous remercie aussi, Diouf. Madame la Secrétaire Générale, vous avez quitté Haïti, le pays que vous aimez, dans les conditions qui disent assez ce que fut la terrible histoire de cette terre sous la dictature. Le Canada est alors devenu aussi votre patrie et vous y avez connu une brillante carrière de journaliste avant d'en devenir gouverneur général jusqu'en 2010. Vous êtes aujourd'hui à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie où vous avez succédé au président Abdou Diouf qui avait eu lui-même pour prédécesseur Boutros Boutros-Ghali. Autrement dit, l'OIF avec ces trois nominations, la vôtre, celle d'Abdou Diouf, celle de Boutros Boutros-Ghali, s'est voulu non pas seulement une organisation de défense de la langue française, mais également une organisation de la défense de la langue française, mais en choisissant deux hommes d'État et une femme d'État, et la femme d'État que vous êtes, l'OIF a voulu montrer qu'elle était d'abord aussi une force dans le monde, une force porteuse de valeurs, et une force en mesure de répondre aux défis de notre temps. Au-delà de la seule promotion, de la seule défense et de la seule promotion de cette belle langue des dieux que nous avons en partage. C'est la raison pour laquelle le titre de notre rencontre est la francophonie force d'action face aux défis du monde,
Alors, Madame la Secrétaire Générale, la première question que je voulais vous poser porte justement sur cette force de la francophonie. De quel poids peut peser la francophonie dans les affaires du monde, dans ces défis que nous avons évoqués dans l'intitulé de notre rencontre? Bref, que diriez-vous à ceux qui vous diraient, comme selon la parole bien connue, la francophonie comme une défi? Je vous dirais que, au moment où nous parlons, et alors que je viens à cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la réponse est toute trouvée. Nous sommes dans un monde plus fracturé que jamais. Nous sommes dans un monde où la tentation du repli sur soi, de l'unilatéralisme, le rejet de l'autre, le rejet de la richesse de la diversité, le rejet de l'altérité, nous plonge dans un espace mondial de tous les défis. Défis sécuritaires, défis de relations, défis d'ouverture à l'autre dans un esprit de solidarité, de fraternité. Une sorte aussi de crispation qui se sent, des relents d'un certain racisme réel que l'on peut voir poindre dans sa face la plus hideuse, un peu partout dans le monde. Et je trouve que la francophonie à cet égard a une proposition exceptionnelle. Il faut se rappeler de quoi est née la francophonie. La francophonie est née d'un idéal qui, à l'écroulement du système colonial, du monde colonial, voit naître des pays, des peuples, des pays nouvellement indépendants et des peuples qui souhaitent une réelle émancipation, mais qui se disent qu'il faut quand même faire de cette expérience quelque chose. Pourquoi ne pas se dessiner un espace qui pourrait nous permettre de repenser les regards que nous posons les uns sur les autres, reconstruire nos relations, renaître à nous-mêmes, parce qu'on ne sort pas indemne d'une telle expérience, d'une telle traversée de siècles où des peuples se sont retrouvés dans une situation où certains établissent une domination sur d'autres, des cultures annihilées, voilà, le déni de l'autre. Et je trouve que d'avoir, on parle des pères fondateurs, je suis sûre que des femmes étaient là aussi, hein, quand même, pour porter aussi cette réflexion, cette réflexion nouvelle sur le monde. Mais on parle de Paul Sédar Senghor, on parle d'Alani Diori du Niger, Senghor du Sénégal, de Bourguiba de Tunisie, Nordon Sihanouk du Cambodge, on parle aussi de Léger, au Québec, et qui se disent, bon voilà, donnons-nous un espace où nous pouvons renaître à nous-mêmes. La francophonie n'est pas, comme beaucoup le pensent, une création de la France ou un avatar du colonialisme ou une excroissance néocoloniale. Pas du tout. La francophonie naît de cet idéal où on se dit, on va nommer ça un humanisme intégral. Et ce mot, les mots viennent de Senghor. Alors, disons une chose, combien le monde a besoin d'un tel idéal aujourd'hui? Tout ce que j'appelle la modernité de cette proposition. Un humanisme idéal qui nous permette, oui, sur un fondement de solidarité, de fraternité, de coopération, de faire ensemble, et en se disant que cette langue française, elle est quand même un héritage extraordinaire, elle est un trait d'union pour y arriver. Même si notre vécu de cette langue n'est pas le même. Le vécu, il y a le vécu aussi de cette langue qui a aussi été la langue de l'offense, la langue de l'ignominie, la langue de
cette vision de domination des uns sur les autres, mais on réalise très vite qu'il y a là un joyau. Il y a là un joyau pour, sur ce vaste projet, ce magnifique projet, pour se rejoindre que d'avoir cette langue commune qui nous permettra de transcender les frontières, de reparcourir cette histoire que nous avons en partage pour en faire autre chose, pour renaître à nous-mêmes, pour renaître dans notre relation les uns avec les autres. Et je dirais que déjà, il y avait un désir aussi de se projeter pour se développer sur un marché commun, pourquoi pas. Tous les peuples se sont rencontrés aussi comme ça, en commerçant les uns avec les autres. Et le mot commerce est intéressant parce qu'il peut aussi, dans toute sa noblesse, dire engager relation avec l'autre. Nous sommes de bons commerces, donc il y a de ça. Donc, je trouve que c'est la plus-value de la francophonie et tout ça, c'est décliné sur, bon, d'abord, une agence de coopération culturelle et technique qui devient ensuite une organisation internationale de la francophonie. Et chaque secrétaire général y a apporté du sien. Je me reconnais totalement, par exemple, dans des propositions, une vision, une projection de Boutros Rally, dans sa vision de l'articulation que devrait prendre cet espace francophone et cette organisation internationale, comme je me reconnais aussi dans la posture de l'Abdou Diouf, qui lui a su, dans la continuité de ce qu'avait su impulser Boutros Rally, développer la dimension politique aussi de cette organisation. Et moi, j'arrive la première femme à la tête de cette organisation qui, en même temps, est du Nord et du Sud. C'est intéressant, et pourquoi pas. Et qui n'est pas du tout dans cet axe que l'on a souvent voulu dessiner hein, entre la France et l'Afrique. Mais j'arrive avec... cet héritage qui est celui du combat d'un pays comme Haïti, pour l'humanité également, d'une expérience qui est celle de la migration et de l'exil, ayant dû fuir, comme vous disiez, la dictature, trouver refuge comme des milliers d'autres familles haïtiennes et quantité d'autres aussi du monde, dans un pays comme le Canada, qui est une terre aussi, une terre de... on dit... que bientôt, dans quelques décennies, 50% de la population canadienne ne sera pas née au Canada ou sera de descendance d'hommes, de femmes arrivés là par l'immigration. Donc c'est intéressant d'arriver avec cette dimension-là. Je crois que les chefs d'État et de gouvernement, notamment africains, qui ont voulu... vraiment appuyé mon arrivée à la tête de la francophonie, ont aimé cette dimension. D'une part, s'enorgueillir d'avoir porté à la tête de cette organisation une femme pour la première fois, à un moment où le sommet de Dakar se donnait pour thème, porteur, des jeunes, des femmes, vecteurs de paix, acteurs de développement, et en se disant, il faudrait bien que ça s'incarne aussi sur une décision qui projette bien cette volonté d'investir dans ces forces vives et en même temps un désir d'engager une dimension qui, je suis sûre, vous fait réfléchir aussi, qui est celle de l'africanité globale. De se dire, bon, cette femme est aussi de cette africanité globale. On se souvient que dans l'histoire, l'Afrique, au prix d'un très lourd sacrifice, une situation innommable a aussi contribué à construire les Amériques par la sueur et le sang de ces hommes, ces femmes, ces milliers, ces millions de déportés, d'arrachés au continent pour être livrés par la traite, à l'esclavage et les Amériques vont naître de ça. Nous sommes, vous parliez de Harlem, je trouve ça très intéressant de voir qu'aujourd'hui, Harlem est peuplée de ses fils et de ses filles d'Afrique, mais qui, eux, arrivent là par flux migratoire, par immigration, pas déracinés, mais qui vont faire alliance avec une population noire afro-américaine qui, elle, a subi
signifie autre chose, mais cette rencontre définit aussi l'africanité globale. Donc c'est assez fabuleux, moi, quand je pense au privilège que j'ai, à cette chance, ce grand honneur de porter l'ambition francophone, je me dis, mais quelle histoire extraordinaire et quelle leçon pour le monde, que de leçons à tirer. Mais c'est pas... voilà. vous avez parlé évidemment de l'enflux migratoire, vous avez parlé de vos expériences. Puisque nous parlons des grands défis du monde, vous seriez d'accord avec moi, j'imagine, pour dire que les deux grandes épreuves que nous vivons aujourd'hui à l'échelle planétaire, c'est à la fois l'immigration. Tout le monde reconnaît que la crise migratoire n'a jamais été aussi vive depuis la Seconde Guerre mondiale, et pourtant la réponse n'est pas la même. L'autre grand problème, probablement, et je sais que vous en avez parlé, vous en avez parlé hier, j'ai eu la chance de vous entendre la réception donnée au consulat de France. L'autre grand problème, c'est l'environnement. Et je sais que c'est une préoccupation très importante pour vous. Est-ce que sur ces deux grandes questions, justement, la voix de la francophonie que vous portez, que vous incarnez, s'est exprimée et que nous dit-elle? Alors, il y a aussi le défi sécuritaire. Nous sommes tous frappés de toutes parts, tous accablés par la menace terroriste. C'est un fléau réel, cette onde de terreur qui se propage hein, et qui ne nous laisse pas du tout ne nous laisse aucun répit. On ne vivra plus jamais comme avant. Nous ne nous déplaçons pas de la même manière, nous ne nous regardons pas de la même manière. Nous avons toujours ce rappel de cette possibilité, voilà, que cette violence nous frappe de plein fouet. Des populations le vivent au quotidien. Nous avons ces organisations criminelles, terroristes, de tous les trafics, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de personnes, d'êtres humains, qui, pour dégager le circuit de leur trafic, cherchent à contrôler des territoires, à les déstabiliser, s'en prennent à l'état de droit, s'en prennent à des valeurs vraiment fondamentales pour le vivre ensemble, en ont contre l'éducation, veulent casser des liens, casser des solidarités, se réfugient aussi derrière un apparent combat sur confession religieuse, alors que dans le fond, ce qui se joue, c'est autre chose. Ce qui se joue, moi, c'est vraiment ma conviction, c'est ce que nous constatons. Ce sont des organisations criminelles qui utilisent un certain appât, qui peut être celui de la foi, mais qui sont sans foi ni loi. C'est uniquement cet appât est là pour engager notamment des jeunes sur le chemin de la radicalisation, les amener sur des sentiers de tous les dangers pour tuer et de toute façon trouver la mort. Et c'est hier, nous sommes tous sahéliens. Nous sommes tous sahéliens. Alors reconnaissons-nous. Pourquoi je dis ça? Parce que là encore, c'est peut-être un combat où on n'attendait pas forcément la francophonie, mais la question de la sécurité, elle est primordiale pour nous. Donc, dans cette résolution présentée au Conseil de sécurité, de la création d'une force de lutte contre le terrorisme, portée par les pays d'un groupe qui s'appelle le G5, un groupe de 5 pays du Sahel, le G5 Sahel, le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, en se disant, bon voilà, il faut que nous soyons aussi en pleine capacité de défendre nos territoires et de protéger nos populations, aux côtés voilà, des initiatives portées d'une part au Mali par la France avec l'opération Barkhane, le militaire français, mais aussi la MINUSMA, qui est cette opération de maintien de la paix et de sécurité des Nations Unies, et en se disant, bon, il faut une action plus concertée, plus intégrée, plus coordonnée, nous devons aussi être de la partie, parce que c'est aussi une question de souveraineté. Donc,
Il est clair que nous, dans la francophonie, nous sommes mobilisés aux côtés des pays du G5 Sahel, qui sont tous aussi membres, parfois même à la naissance même de la francophonie, et en nous disant qu'il faut absolument nous mobiliser davantage pour la sauvegarde de la paix, pour la sécurité, mais sachant fort bien que ce n'est pas qu'une question de défense. Ce n'est pas qu'une question de défense. C'est aussi une question de développement. Il faut aussi s'attaquer aux mots et aux causes des conditions qui permettent justement cette situation de prédation, d'agression et de déstabilisation, et pour lutter face à ces organisations criminelles, parce que l'on sait aussi que ce qu'ils exploitent, c'est la précarité. Ce qu'ils exploitent, c'est la vulnérabilité. Ce qu'ils exploitent, c'est la fragilité. Donc, voilà, certains, je me souviens alors qu'il y a quelques années, des journalistes me demandaient, mais que vient faire la francophonie sur des questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Eh bien, pour nous, c'est du quotidien, c'est tous les jours. Population en danger, responsabilité de protéger, c'est inscrit d'ailleurs dans le texte, la déclaration de Saint-Boniface le dit clairement, pour nous c'est peut-être une référence, responsabilité de protéger. Et en même temps, c'est une défense aussi fondamentale des institutions fondatrices de l'état de droit, de la démocratie. Là encore, nous rallions autour d'un texte fondamental de référence pour la francophonie, la déclaration de Bamako. Donc c'est un... Et la francophonie, on ne le sait pas, hein, l'Organisation internationale de la francophonie est partenaire des Nations Unies sur les opérations de maintien de la paix. Parce que la moitié de ces opérations de maintien de la paix sont déployées en environnement francophone, dans les pays francophones. Donc c'est nous qui fournissons, par exemple, il faut savoir, les juristes, les procureurs francophones, les médiateurs, qui travaillent aussi avec les unités militaires pour renforcer même leur capacité linguistique. Parce que si vous ne comprenez pas ce que vous dit la population, si vous n'êtes pas capable de répondre à des instructions qui sont données en français, ça devient un facteur de risque énorme. Or, vous avez sur ces opérations de maintien de la paix des pays qui y participent, mais qui sont de tous les coins du monde. Hein, et donc, il faut absolument... Donc, la langue, voilà, c'est encore un champ d'expertise pour nous, pour intervenir sur ces opérations de maintien de la paix. Bon, maintenant, climatique. Vous parlez aussi du défi climatique. Et fondamental. Et il faut le lier aussi. Il faut le lier aussi à l'autre grand défi que vous évoquez, crise migratoire, ces exodes massifs de populations qui, et en grande partie de jeunes hommes, de jeunes femmes, qui, sur un sentiment de désenchantement, un sentiment d'avenir bouché, d'impasse, se disent bon, il y a peut-être, le mieux vivre est peut-être ailleurs. Et vous savez, mais en même temps, ce n'est pas non plus comme ça qu'il faut nommer. Le continent africain, depuis longtemps, voit et vit ces grands déplacements de population, ces grands flux migratoires, en raison de tensions politiques, violence, mais aussi dégradation des terres du fait du réchauffement climatique. Beaucoup de migrants sont des migrants climatiques qui quittent des terres qui ne donnent plus, qui cherchent à mieux vivre ailleurs. Mais il faut dire que les tensions politiques aussi, ils sont pour beaucoup. Donc nous avons, par exemple, des pays africains qui sont à la fois des pays de départ, des pays de transit, des pays peut-être de destination, des pays d'accueil. Et aujourd'hui, on en parle davantage parce que bon, l'Europe se sent dans la mire de ceux qui cherchent à mieux vivre ailleurs. Et l'on constate une sorte d'amnésie chez les Européens. Ces Européens qui oublient qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient sur ces mêmes chemins. Et moi, étant canadienne, je peux en témoigner. Le Canada est peuplé de ces Européens, qu'ils soient hongrois, polonais, ukrainiens, hein, qui ont trouvé refuge, qui étaient migrants économiques,
donc réfugiés politiques qui ont trouvé là, et l'envoi de ces mêmes pays qui aujourd'hui élèvent des murs pour tenir loin et empêcher l'accès à leur territoire, alors que si vous mettez côte à côte des archives, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient sur ces mêmes chemins. Et c'était cette même condition humaine de grande précarité, de grande fragilité. Et il faut donc faire tout un travail, et ça nous y attend beaucoup, pour que d'une part, secouer cette mémoire et dire écoutez, ce dont il s'agit, ce n'est pas de quota, ce n'est pas non plus de cases où on se dit bon alors celui-là on le met où, puis celle-là on la met où? Migrants ou réfugiés il y a cette hiérarchie que l'on établit, il y a ceux dont on pense que bon, la fuite est noble, hein, il faut y répondre avec toute la solidarité possible, et les autres dont on ne veut pas, quoi. Dont on ne veut pas, qu'on se dit, bon, voilà, ça c'est. C'est... Bon. Et faire comprendre que ce drame humain, il faut le considérer dans toute sa dimension humaine d'abord. Donc, prêter secours, répondre et assister dans le respect de leur dignité, ces personnes qui se retrouvent dans une situation de très grande fragilité, qui risquent le tout pour le tout, mais avec aussi une volonté. C'est une volonté de se refaire une vie ailleurs et d'apporter et d'offrir quelque chose. Moi, je suis passée par là. Quand je vous en parle, je me vois aussi dans cette situation où quelque part, on arrive sans rien, on arrive fragile, on arrive dépossédé, mais en même temps avec une force incroyable et beaucoup à offrir, en se disant, bon, voilà, dans ma pulsion de vie, il y a aussi quelque chose qui peut participer à l'édification de ce pays qui va m'accueillir. Et voilà, c'est. Et en même temps, ce que nous disons sur cette question, c'est mais pourquoi ne pas examiner les causes de ces exodes? Il faut investir dans le capital humain. Nous nous retrouvons dans des pays où plus de la majorité de la population a moins de 25 ans. 60%, 70% de la population a moins de 30 ans. Et vous avez des taux de chômage effarants, scandaleux. 80% de jeunes au chômage. Et vous vous dites, mais quel gaspillage! Il faut du bon sens. Il faut investir dans ces forces vives. Vous avez des femmes qui rassemblent tous leurs efforts tous les jours, qui portent des activités économiques, mais qui sont dans l'effort même. On n'investit pas dans ce qu'elles produisent, on n'investit pas dans leurs initiatives. Il y a vraiment un moment de vérité où on se dit bah, il faut agir. Or, le chantier est si vaste qu'aucun pays ne peut s'en sortir seul. Aucune organisation internationale ne peut non plus répondre à ce défi seul. Je suis désolée d'être aussi longue, mais c'est. Non, je ne voulais pas. C'est ça, la francophonie aujourd'hui. C'est important que vous et moi commencions par ces considérations extrêmement importantes pour bien rappeler que nous ne sommes pas Astérix ou Gaulois, frileusement repliés dans notre village pour défendre la langue française. Que la francophonie, c'est aussi tout ce que vous nous avez dit, la richesse de cette action et le poids que nous essayons d'avoir sur les affaires du monde. Alors c'est le moment maintenant de venir à notre langue et en liaison avec ce que vous avez dit, vous avez parlé du continent africain. Démographiquement, on le sait, si l'Afrique continue de parler français, la francophonie se portera très bien. Si ce n'est pas le cas, ça deviendra, le français sera une langue locale, comme l'italien, parlé dans un coin d'Europe qui s'appelle la France, parlé au nord de l'Amérique, et puis parlé peut-être dans quelques poches en Suisse ou en Belgique, mais ce sera une langue locale. Est-ce que l'OIF est consciente de cela? Est-ce que l'OIF également est consciente du fait que cela veut dire que l'Afrique, c'est aussi, le français évidemment, c'est aussi beaucoup de langues, de l'arabe jusqu'au Swahili, en passant par toutes les autres milliards de langues qui toutes ont le droit et le devoir et se sont engagées maintenant dans la voie de devenir des langues de science et de création. Et la francophonie s'étant définie comme un espace de pluralisme. Vous-même et le président français Emmanuel Macron avaient été très éloquents sur le multilinguisme. Comment penser tout cela?
le devenir de notre langue française en liaison avec ces considérations démographiques qui sont là, et deuxièmement, le devenir de la langue française dans un espace multilingue et comme défense du pluralisme plutôt que défense du seul. Alors souvent, on s'imagine que le combat pour la langue en est un de braquer face à l'anglais. Francophonie, c'est pas ça. La francophonie, c'est un combat, comme vous l'avez dit, en faveur du multilinguisme, c'est-à-dire la pleine reconnaissance des langues, des peuples, comme, je dirais, élément, essentiel et déterminant de nos identités, de nos traits de civilisation, de nos cultures, ce foisonnement extraordinaire que nous rassemblons dans l'espace francophone, de multiples langues. Et pour nous, l'enseignement du français et en français est aussi important que l'enseignement des langues nationales. On ne sait pas que nous sommes l'une des rares organisations qui aussi engage des programmes pour l'enseignement des langues nationales. Dans un pays comme le Cameroun, est-ce qu'il y a des Camerounais dans la salle ? Dans un pays comme le Cameroun, on a plus de 200 langues parlées. Vous n'avez pas répondu, hein ? Souvent je vous mets d'origine camerounaise. Hein ? Elle est en démarche pour retrouver son... sa pleine identité aussi, hein ? Son patrimoine de la tête. Hein ? Non, il y a effectivement... ce parti pris des langues, en nous disant, et la preuve en est faite, par ces programmes d'enseignement en des langues nationales, nous voyons des enfants apprendre mieux. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on reconnaît cette part en cet enfant, cet héritage extraordinaire que cette langue qu'il parle à la maison, et qu'on en célèbre et la richesse, la beauté. Cet enfant, dès lors, est beaucoup plus en capacité d'apprendre et d'aller vers d'autres langues. Moi, si on n'avait pas valorisé chez moi la beauté du créole, langue haïtienne partagée avec d'autres pays créolophones, je n'arriverais pas aujourd'hui à en parler 5 autres. Parce que c'est sur le socle de cette langue valorisée en moi et me donnant l'assurance qu'il pour aller vers l'autre et pour m'engager sur le chemin de la connaissance que j'arrive à avoir toute l'assurance nécessaire pour avancer sur ce chemin-là. Donc, c'est ce que nous donnons à ces enfants. C'est ce que nous donnons à ces pays où nous avons ces programmes d'enseignement, aussi de soutien à l'enseignement des langues nationales. Et en se disant que c'est une façon aussi d'aller vers la langue française et d'aller vers, comme je vous disais, la démarche d'apprentissage et de la connaissance. Et c'est fabuleux. Et on voit ces enfants apprendre mieux, avoir de meilleurs résultats en mathématiques, en lecture, en écriture, parce qu'il y a ce fondement qui est valorisé, revitalisé, reconnu. Il faut savoir reconnaître l'autre. Pour nous, c'est un principe. Nous ne pourrions pas parler d'humanisme intégral sans cette pleine reconnaissance de ce qui fonde aussi l'humanité et l'être. C'est essentiel. Nous sommes très fiers de cela. Alors, sur le défi de la pérennisation de la langue française, les plus fervents défenseurs de la langue française sont les francophones africains. Parce que, par exemple, dans les enceintes internationales, je dirais Haïti aussi, dans les enceintes internationales, Haïti a contribué à faire du français une langue de travail aux Nations Unies. Et Haïti porte cet ordre, s'en félicite, fait ce même travail aussi avec l'organisation des pays de la Caraïbe, CARICOM, en faire une langue de travail. Lorsque des Africains viennent, par exemple, dans une organisation internationale pour participer à tous ces débats, tous ces événements et ces discussions de haut niveau sur les enjeux pour le monde, et viennent
et trouvent que ce ton en anglais est en train de l'emporter, ils sont furieux. Ils sont furieux, et voire parfois même, est-ce que j'ose le dire, dans la maison de la France, les Français trahir cet engagement. Je vois des Français, lors d'événements aux Nations Unies, tomber dans le globiche. Vous avez levé la main tout à l'heure, monsieur Tangana, quand je vous demandais s'il y avait des Camerounais dans la salle. Et puis il y en a d'autres. Monsieur Nassio, vous n'avez pas levé la main ? Je n'avais pas levé. Ah, d'accord. Non, au fait, donc il y a un vrai un cri d'alarme qui est lancé par, je dirais, l'Afrique francophone à ce sujet, mais en même temps en disant fort bien, sans nous, il se passera ce que vous avez décrit. Donc, c'est pour cette raison que nous avons, par exemple, établi à Dakar un institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Justement pour ces programmes, formation massive du français et en français, mais sur des barèmes de qualité. Formation massive de maîtres, de professeurs. Parce qu'on se dit que l'accès, c'est bien, mais la qualité importe aussi. Donc, qualité de l'éducation, pouvoir accompagner avec cet institut qui rassemble tout ce qui se produit dans l'espace francophone, dans un esprit fédérateur, en termes de contenu, de pratique, de programme, d'éducation, de formation, et avec tout ce qu'apporte l'Agence universitaire de la francophonie qui rassemble plus de 850 universités dans 110 pays. Et avec nos programmes aussi à l'EIF, l'Université Senghor d'Alexandrie qui est totalement dédiée à accompagner le développement des pays africains avec ses campus décentralisés et qui viennent vraiment avec des programmes pour répondre à ces champs de compétences, pour appuyer ces champs de compétences que chaque pays veut développer. Donc avec cet institut, l'idée est d'accompagner tous ces pays qui ont besoin de renforcer leurs programmes et leurs politiques en matière d'éducation mais aussi de formation. Parce que les jeunes nous demandent. Les jeunes africains disent une chose, nous ne pouvons plus être formés pour être uniquement serviteurs de l'État, à l'administration publique. Voilà, l'idéal fonctionnaire. C'est incroyable, des fois, vous arrivez dans les pays africains, vous rencontrez des petits de l'école élémentaire, puis vous leur demandez, tu veux faire quoi plus tard? Moi, je veux être fonctionnaire de l'État. Attends, mais il y a peut-être autre chose. Oui, mais moi, je veux être fonctionnaire de l'État. Et là, il faut faire ce travail. On se met à arriver avec l'enfant, et là, de ce coup, vous voyez cette fibre entrepreneuriale, cette envie d'être, voilà, de travailler dans tel domaine, tel autre. Et puis, de rétablir aussi des métiers qui sont en train de disparaître. On investit dans les infrastructures, à fond, construction d'infrastructures, mais on n'a personne, on n'a pas de main-d'œuvre pour l'entretien de ces infrastructures. Donc il y a des métiers auxquels il faut redonner aussi une vraie reconnaissance et formation professionnelle et technique, et pourquoi pas. On a un travail à faire dans l'esprit des parents aussi, parce que nous vivons, hein. Qu'est-ce que vous rêvez pour vos enfants? Si votre enfant vous dit demain, moi je vais être plombier, comment vous voyez ça? Je vais être plombier. Très bien, bravo, bravo. Eh bien, il y a des pays, par exemple, qui ont fait ce travail. Le modèle dual en France, par exemple, qui est pas. Parce que ce qu'on fait dans la francophonie, on partage aussi tout ce que l'on crée, tous ces domaines dans lesquels on innove, les bonnes pratiques, et on essaie de les mettre en commun. Le modèle dual suisse fait quoi? Il a réussi dans une approche partenariale, hein, qui implique à la fois le secteur privé, les entreprises, le secteur public, l'État, et puis les établissements de formation, pour rétablir justement ces formations professionnelles et techniques. De sorte que, par exemple, vous pouvez parler à un ministre suisse qui vous dira « Mon fils, il est électricien. » Et ma fille, c'est une formation technique et qui n'y voit pas comme une espèce de « Oui, elle aurait pu faire mieux, finalement. » Voilà, voilà. C'est une profession qu'on a su en oublier, mais en se disant, mais non, c'est aussi un créateur d'emplois, ce sont des métiers importants, utiles,
Et il y a un désir que l'on sent chez beaucoup de jeunes qui est « je veux être autonome ». Il y a cette fibre entrepreneuriale que l'on voit, et puis avec les nouvelles technologies, toute l'enfance que nous mettons aussi sur les capacités dans le domaine du numérique. Et ces jeunes, c'est fabuleux, surtout, on le remarque en Afrique, ils créent par exemple des applications qui sont d'utilité publique, qui sont pour le bien commun, pour l'intérêt général, pour soutenir la culture de leur pays, pour soutenir les activités portées par les femmes. Et c'est extraordinaire pour avancer par exemple dans un domaine aussi crucial pour parce qu'on parle beaucoup d'Afrique, hein, où l'état civil est essentiel pour la bonne gouvernance. 55% de la population africaine n'a pas d'existence légale. On ne figure nulle part. Alors comment vous pouvez penser des politiques de santé publique, de développement, d'émergence, de sécurité, d'éducation, si vous ne savez pas qui est là? Ces données sont essentielles. Or, on a beaucoup de pays qui se construisent des plans nationaux de développement humain, économique, durable, d'émergence, mais qui n'ont pas ces données. Alors, il y a des jeunes, dont un jeune de qui j'aime beaucoup parler, parce que c'est extraordinaire ce qu'il a fait, qui a, parce que nous avons su aussi l'accompagner sur ses capacités numériques, qui a créé une application qui permet, voilà, d'enregistrer chaque poupon, tout de suite avec un bracelet numérisé, un téléphone, on capte les informations au sujet de cet enfant sur ce bracelet qui est né tel jour, et on profite de ce moment pour enregistrer aussi ses parents qui probablement n'ont pas d'identité, pas de, ses grands-parents, pourquoi pas, et ça va tout de suite dans le fichier d'état civil du pays, donc il est burkinabé. On est en train d'implanter ça sur le Burkina Faso. Le Burkina Faso fera ainsi un saut gigantesque, aura un état civil en 2 ans en règle et accomplira ce que l'Occident a mis 200 ans à réaliser. Donc c'est ça. Nouvelle technologie, capacité numérique, les jeunes en sont friands et font des choses extraordinaires pour l'intérêt général. Donc maintenant, oui, c'est vrai, l'avenir de la langue française est en Afrique. Mais cela veut dire, selon tous ces dimanches, plus de maîtres, des professeurs de qualité, modernisation aussi de la pédagogie, vraiment enseigner autrement. Nous sommes vraiment sur une opération de formation de maîtres, nous le faisons avec l'appui aussi de l'Agence française de développement, de la Banque mondiale, du partenariat mondial pour l'éducation. Il faut vraiment un vrai travail de fond en misant et en investissant le capital humain et en même temps en accompagnant ce faisant sur ce chemin-là, l'insertion professionnelle des jeunes, la création d'emplois. Oui, il faut ce pragmatisme. Moi, j'aime cette francophonie qui prend le pragmatisme à bras le corps et qui dit « Ok, face à tel défi, qu'est-ce que nous avons à proposer ?» Donc, nous avons notre force de proposition. « Quelles actions nous engageons ?» Nous avons notre force d'action. Et comment nous nous rassemblons ? Nous avons cette capacité de nous rassembler. Et ça donne une francophonie des solutions qui est dans le partage. Ce que nous savons faire et dans la réciprocité. C'est pas nord-sud, c'est nord-sud, nord-nord, sud-sud, est-ouest, c'est sur tous les points cardinaux et il y a cette espèce de synergie extraordinaire qui nous permet, voilà, de nous engager sur cette nécessité, oui, de défendre ainsi la langue française parce qu'elle est d'assurer la pérennisation. Merci infiniment, cher Jean. Justement, j'en profite pour vous dire que notre département français ici, va exactement dans le sens pour indiquer. Ce que nous avons remarqué, c'est que les étudiants voient le français comme la langue qui leur ouvre un monde extrêmement divers, le monde pluriel de la francophonie que vous venez de décrire si éloquemment. Nous avons un département qui est à la fois évidemment un département traditionnel, au sens où nous avons cette relation philologique particulière, affective particulière à la langue et à la littérature française, de Rutebeuf à Malignaille, dirons-nous. Mais nous avons également cette ouverture francophone,
Nous avons également ces couvertures francophones qui fait que Césaire, Damas, également tous les nouveaux aujourd'hui, de Félix Sartre, de Bacardi. Édouard Glissant qui a donné naissance à un grand prix. Dans... Exactement. Nous avons eu le plaisir ici, mon éternel complice Chaline Pierre, que vous connaissez maintenant, et moi-même, en organisant une série de rencontres autour du thème la francophonie dans tous ses états. Oui, merci beaucoup. Recevoir beaucoup de monde, dont notre ami commun Daniel